Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve non seulement pour une ouverture de courrier, j'ai un petit peu de retard, hein, je les ai reçus il y a déjà un petit moment, pas eu le temps de vous les présenter, et on va enchaîner sur la présentation de mon abécédaire KISS qui est enfin terminé. Alors, déjà, j'ai un courrier ici. Voilà, une très belle carte qui me vient de notre Coco, Ange Coco, dite Claudine. Très très belle carte avec un papier papier action, je suppose. Utilisation de chute de papier, quoique celui-ci c'est pas une chute, hein. Ça doit être, il doit faire le papier complet. Là on a quelques chutes et puis une belle présentation pour ses voeux. Merci beaucoup Claudine, c'est très très gentil. Excuse-moi de ne pas avoir fait la présentation de ton joli courrier plus tôt. Ici, j'ai une enveloppe qui me vient de Christine. Je vous mettrai en barre d'infos, hein, les chaînes de Topinot. Christine qui m'a envoyé plein plein de choses. Ah, ça c'est... Non, ça... Oh, pardon, c'est pas Christine. Je cafouille complètement. C'est Tassou. Mille excuses, ma Tassou. C'est en voyant ceci que... Oui, je les ai déjà ouvertes. Hein. Mais... Oui, mais c'est Tassou qui m'envoie tout ça. Un grand merci, Marcel. Alors, un joli marque-page. Oui, c'est... Donc, des créations qu'elle a faites. Avant l'arrêt de ses vidéos, puisqu'elle a arrêté de faire des vidéos. Hein. Très très beau marque-page. J'aime beaucoup. Une jolie poupette. Ça va encore. J'en ai plusieurs, hein, des marque-pages. J'y tiens énormément. Hein. Donc, ils voguent dans mes livres, au travers de mes lectures. Ici, un kiss, un très beau kiss. Steampunk. Je n'ai pas trouvé le kiss. Je cherche, je cherche. J'y regarderai d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je ne le vois pas. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Très très beau. J'aime beaucoup. Ici, un tag. Un joli tag. En patouille. Alors, dans une belle pochette, un joli petit cœur. Pareil, ça je vais le garder tout près de moi. Mais très beau. Mais je crois que tu savais pas faire de crochet. Moi, bah, tu te débrouilles bien. Des petites ATS. Celle-ci, elle est collée. Trois petites ATS sur le thème de l'hiver. Il y avait longtemps que j'en avais pas reçu. Très mignonne. Alors, c'est hiver 2024. Elles ont été faites le 9 janvier. Ben, merci beaucoup, Matassou. Merci infiniment. Et ça, petite carte de bonne année. Très très belle. J'aime beaucoup. Alors, je lis ton petit mot. Ben, je suis contente que tu aies pris plaisir à faire un petit peu de scrap. C'est bien, ça te booste un petit peu, même si c'est compliqué pour toi, hein, je le sais. Mais bah, je pense que ça te fait quand même du bien de replonger un petit peu dans cet univers. Et des petits embellissements. Super. Merci infiniment, Matassou. T'es adorable. Et enfin, le courrier de Christine. Christine qui m'a fait une très belle carte. Très, très jolie carte.
ça brille de tous les feux. Alors, merci Christine pour tes vœux. Et pour ton kiss, superbe kiss. Bon, tu t'es un petit peu trompée dans les dimensions parce que là, elle est un petit peu trop large. Je ne sais pas si elle va rentrer dans ma boîte. Je vais essayer. Non, elle ne va pas rentrer dans ma boîte. Et non, ben je la mettrai debout. En tout cas, elle est très belle. Hein, le papier est magnifique. Puis en plus, ben, du coup, au dos, j'ai toutes tes coordonnées. Ben, merci beaucoup, Christine. C'est très, très gentil. Voyez, ben, du coup, elle va être comme ça. Voilà pour mes petits courriers. Alors, je vais vous montrer, hein, comme promis, mon abécédaire Kiss terminé. Alors, je l'ai mis dans un classeur. Je vais vous les sortir parce que ça brille un peu. Donc, la lettre A sur le thème animaux. Alors, c'était en, comment on appelle ça déjà, mood board, je crois. Puisqu'à chaque lettre, on avait un fond, apprentissage d'un fond particulier. Le B, comme bateau. Là, c'était un collage de papier. Le C, bon, je vais peut-être pas les sortir, comme bulle. Bon, ça devrait aller. Le C, comme bulle. Quand je vous dis que ça va pour la tête, comme coquillage. Et là, c'était un fond avec des bulles, justement. Des petites bulles. On prend un bouchon, on forme des ronds et on forme des bulles en nombrant un petit peu les bulles de chaque côté, enfin, d'un côté pour simuler vraiment la bulle. Ici, là, ça va briller beaucoup. Le dé comme dentelle, c'est sur un fond de papier alu embossé et coloré au feutre à alcool. Ici, un quadrillage de papier pour le E. Alors, escarpin. En fait, moi, j'ai voulu mettre un escarpin. Ici, le F comme feuille. Alors, un fond qui ressemble à celui de Tassou, hein. Celui de son kiss. Voilà. En fait, on superpose pardon. On superpose un papier. Je vais vous montrer. On superpose un papier et on vient passer la mousse avec la couleur. L'encre. Donc il est fait comme ceci et avec marqué un petit peu chaque, enfin quelques coins avec un petit effet couture. Ici le G comme gracieuse. Alors ici c'était un, comment dire, du pochoir et colorisation avec des encres. En fait c'était aussi pour le tampon. Je crois que le tampon s'était mouillé, je l'ai pas mis au dos. On mouillait le tampon et puis on mettait de la distress pour cet effet un petit peu flou. Le H comme hibou avec des élastiques. Le I comme itinéraire. Alors ça c'est du pochoir tout simplement. Pochoir sur avec de la pâte de structure. Le J, jardin. Ici, avec un ballon que l'on gonfle. On gonfle. On serre bien avec un élastique. On trempe dans la peinture. Et voilà, ça donne ces effets-là. Le K. C'est un collage de feuilles de soie, non, c'est pas ça. Si, de feuilles de soie froissées.
et encre aquarelle. Ici, le L comme léopard. Alors, pareil, c'est du pochoir. Avec un collage de feuilles de livres en pêle-mêle. Et ensuite, du pochoir. Le M comme Morito. Ben oui, j'aime ça. Là, ce sont des carrés, des rectangles de papier qu'on superpose. Et tout sur de l'aquarelle, toujours. Là, le N, ça, c'est effet, comment on appelle ça, Lavinia. Ça brille, excusez-moi. Effet Lavinia. N comme Napoléon. Le O, œil. Alors ici, c'est avec de la gaze. De la gaze et de l'encre. C'était de l'encre. Oui, c'est un fond patouille aux encres. Toujours les encres liquides. Les aquarelles liquides, pardon. Ici, c'est un mur de briques fait avec des petits rectangles de papier que l'on colle. Et ensuite, on passe de la distress. P comme parapluie. Le Q comme quartet. Je crois que j'ai fait une faute d'ailleurs. Il me semble que c'est un D à la fin. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour moi. Ici, c'est de la peinture. Comment on appelle ça? C'est marqué. Peinture pétillante. C'est fait avec des produits alimentaires. On s'en sert dans la cuisine. Ça ne me revient pas. Avec du bicarbonate et du vinaigre. Ici, un fond en zentangle pour le R de ratatouille. Ici, suricate. Alors là, on prend une découpe. On la colle en surimpression et on revient mettre les petits fonds, les petits fonds qui ont été vidés, on les remet à leur place de façon formée comme une surépaisseur. Ici, le T comme timbre. Je me trompe de page. Ah oui, c'est un fond à la mousse à raser. Le U comme Hulk. Alors moi, je prends des libertés. Hein. Hulk, moi, je ne mets pas de H parce que ça m'arrange. Et c'est un fond fait avec du coton, on va dire du coton, qu'on trempe dans la peinture. On le glisse entre deux feuilles de papier et on tire de façon à former des volutes. Ici, c'est un fond à bulles pour la petite vache. Bulles et bulles de savon avec une paille. Le W comme wallaby, c'est un fond glissé. Donc on étale de la peinture et on la glisse avec une carte. Là, un fond pour le xylophone, un fond de washi. Le Y comme yo-yo. Celui-là, je ne me rappelle plus. Ah oui, si, si. En fait, les arabesques sont faites avec de la colle. Donc de la colle, ensuite on en vient disposer de l'encre. Et on fait voyager l'encre. Et le Z comme zombie. Zombie, un fond. Alors le zombie, c'est fait avec des lingettes en fait. Des lingettes qu'on pose sur le plan de travail. On arrose, enfin on met quelques gouttes de peinture dessus, de l'aquarelle. On chiffonne un peu de façon à ce que ça se mélange un petit peu et on pose notre papier dessus. Donc ça fait ce genre de fond. Voilà. Voilà donc la présentation de mon kit abécédaire. J'en referai peut-être un. J'avais dit que j'allais en faire un. On verra ça au cours de l'année. Pour le moment, j'ai commencé à faire quelques ATC. Je commence à préparer le calendrier de l'Avent. Quelques ATC pour le calendrier de l'Avent 2024. Où je prends de l'avance parce que je me connais, je ne veux pas faire ça au dernier moment. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Voilà.
Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.